Le 20h30 sur la CRTV. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de l'actualité ce lundi. Résultats aux examens, effondrement en série des murs de lamentation. Taux de réussite à la hausse pour le BPC et les diplômes relevant de l'Office du baccalauréat. Lecture expliquée de la copie des performances en page première du 20h30. Route nationale numéro 4, tombeau ouvert en permanence. Encore 4 morts et 9 blessés, bilan provisoire d'un accident de la circulation hier aux environs de Bala, dans le centre. Point de la situation dans ce journal. Et puis en football, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, 28 fauves convoqués dans la tanière par le dresseur de Lyon. Le sélectionneur Antonio Conceição a dévoilé sa liste à la presse ce lundi au stade de Lembe. Déviation en direction d'Evariste Yenga pour les détails en page des sports. Voilà pour les titres. Développement après ce geste barrière et un message du chef de l'État. Cette crise sanitaire en mutation rapide perdure. Il nous faudra poursuivre ensemble et avec détermination la phase cruciale du combat contre ce virus par la vaccination. Il est à la hausse le taux de réussite à la session 2021 des examens officiels. Le probatoire général, par exemple, affiche des performances supérieures de près de 10% par rapport à l'année dernière. Des résultats améliorés dans l'ensemble des cas, comme vous pouvez le voir dans cette cartographie dressée par Sidoine Moncam. Moisson abondante aux examens officiels de la session 2021 avec des résultats globalement satisfaisants. Le BEPC et BEPC bilingue, les CAP industriels obtiennent des pourcentages supérieurs à ceux de l'année dernière, soit 72% au BEPC cette année, contre 61,19% l'année dernière. Au BEPC bilingue, l'on enregistre 89,51% cette année, contre 83,60% l'année dernière. Et pour les CAP industriels, 84,32% contre 72,60% en 2020. Sur les plus de 236 000 candidats à l'examen probatoire de l'enseignement secondaire général, le taux de réussite provisoire global est de 49,88% contre 31,96% à la session 2020. Le taux de réussite par région est lui aussi connu. Les probatoires techniques F1, F2, F3 ont un taux de réussite de 22,42% contre 15,4% en 2020. Même hausse au niveau des probatoires AF et BT. Le baccalauréat général n'est pas en reste, avec un taux de réussite de 73,37% cette année. Au classement par région, le Sud-Ouest occupe la tête avec 83,73%. Les baccalauréats techniques STT et brevets de technicien STT session 2021 enregistrent également un accroissement. Les DCI rendus publics il y a quelques jours sont aussi en nette progression. Les performances des candidats dévoilées par le ministère des enseignements secondaires révèlent pour le DCI et level un taux de réussite de 61,94% et de 59,8% pour le DCI au level. Et dans le sous-système anglophone, les choses sont un peu différentes. Les examens relevant du DCI Board affichent des performances en dents de scie avec une baisse notable en ce qui concerne par exemple le DCI Advance et le DCI Ordinary Level. Tableau complet, Roger Samakiporo, Abuja. Selon les statistiques officielles, le taux de réussite aux examens du DCI Advanced Level est légèrement en baisse par rapport à la session de l'année dernière. Même constat au niveau du DCI Ordinary Level, où l'on enregistre un taux de réussite de 59%. Pour ce qui est des examens du Technical and Vocational Education Advanced Level et du Technical and Vocational Education Intermediate Level, le nombre d'admis est en hausse. On a eu une augmentation des numéros de candidats. Donc, même les candidats qui ont eu l'examen, on a eu une augmentation. Donc, pour moi, c'était une bonne année pour le Sud-Ouest.
L'on salue la participation du département du Lébialem aux examens du DCI de cette session 2021. L'année 2016 jusqu'à 2018, on n'avait pas même aucune élève à Lébialem. L'année passée, on avait 5 établissements qui fonctionnent et on avait 8 candidats. La communauté éducative du Sud-Ouest entend redoubler d'efforts pour des résultats meilleurs aux examens officiels l'année scolaire prochaine. Et pour les lauréats du GCE Board, après les réjouissances, leur aide, comme vous l'imaginez, aux préparatifs de la prochaine rentrée académique, les choix des filières et de l'université restent, de ce point de vue, un véritable casse-tête pour certains parents. Tableau de la situation, Elisabeth Nathalie Song. La température est revenue à la normale après la grande effervescence qui a accompagné les résultats du DCE Board ce week-end. Les candidats admis expriment leur joie et reconnaissance à l'endroit des encadreurs. C'est avec la lecture et la compréhension que j'ai pu réussir. Je veux remercier tous mes encadreurs et mes parents. Pour les parents, cette réussite est le fruit de plusieurs sacrifices et d'un accompagnement sans faille. Elle a réussi avec de bonnes notes. Je l'ai accompagnée durant toute l'année et j'invite les parents à faire pareil. Pour les parents, l'heure est à la réflexion afin de trouver une université non seulement de qualité, mais également une bonne orientation pour une réussite professionnelle future. Et pour un point tout à fait complet, je viens d'être rejoint dans ce studio par le professeur Fabien Cotte. C'est le secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires. Professeur Fabien Cotte, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, dites-moi, ces performances que nous venons de présenter et qui sont à la hausse, sont-elles le reflet réel du niveau de nos élèves ? Cela est indiscutable et je pense qu'il faut relever au moins deux éléments qui sont venus bonifier les performances de nos élèves cette année. D'abord, nous avons introduit sous l'autorité de Madame le ministre des Enseignements secondaires le Distance Education qui est venu en appui aux enseignements présentiels. C'est quelque chose que nous ne connaissions pas avant, que nous n'avions pas expérimenté avant. Mais je pense que à côté de ce Distance Education qui a apporté un plus, il y a aussi le fait que pour la première fois nous expérimentions au niveau du baccalauréat l'approche par compétences. Et avec l'approche par compétences, comme le directeur de l'Office du baccalauréat l'avait expliqué avant, il n'y a plus de notes éliminatoires. Et lorsqu'il n'y a plus de notes éliminatoires, on peut comprendre que les performances puissent s'améliorer. De bons résultats, on va le dire, de bons résultats tout de même, mais peut-on dire autant de l'organisation qui a par exemple été maillée par un certain nombre de dysfonctionnements ? Je pense à la question, on va dire la sempiternelle même question du paiement tardif des frais dus par exemple au correcteur. Nous pensons également à toutes ces épreuves qui sont arrivées souvent en retard dans les centres d'examen. Oui, mais ce qui était bien fait est de loin plus important que ce qui a été source de dysfonctionnement que vous relevez. Je pense que dans l'ensemble, nous avons conduit les examens avec beaucoup de sérénité. Il n'y a pas eu d'incident majeur dans la conduite des examens cette année. Il faut non pas s'attarder sur le train qui n'arrive pas à l'heure, mais souligner que en général, dans la plupart des cas, les examens se sont bien déroulés sur l'ensemble du territoire national. Et il faut surtout dire que les candidats de cette année... Une fausse note n'est parvenue à votre niveau ? Si, les fausses notes sont parvenues et c'est la responsabilité de Madame le ministre des Enseignements secondaires, lorsque les difficultés surviennent, d'essayer d'y apporter des solutions appropriées. Et c'est ce qui a été fait. Je peux vous dire que aucun élève n'a été pénalisé du fait des dysfonctionnements que vous avez soulignés.
Je dois vous dire, et je voulais insister là-dessus, que les élèves ont composé dans des conditions extrêmement difficiles cette année. Il faut savoir qu'il y a d'abord la contrainte du Covid, la pandémie. Il faut savoir que nous avons dû expérimenter le distance education dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut savoir que nous avons dû expérimenter le shift system, à savoir que il y avait un groupe d'étudiants qui venait le matin, un autre groupe qui venait l'après-midi. Compte tenu de toutes ces contraintes, lorsqu'on voit les résultats auxquels nous sommes arrivés, on n'a que de raison d'être fier. Alors, la rentrée elle-même pointe à l'horizon et on n'est pourtant pas sorti de ce fameux Covid-19. Il y a même un nouveau variant qui est en circulation et les experts n'excluent pas une autre vague d'ici la fin de l'année. Comment vous préparez les campus scolaires à affronter tout cela? On n'a pas attendu cette année pour commencer à préparer les campus scolaires. Figurez-vous que dès l'année dernière, Madame le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, a eu une réunion officielle avec son collègue du ministère de la Santé publique pour lancer dans toutes les écoles relevant du, dans tous les établissements scolaires relevant du ministère des Enseignements secondaires, une campagne de dépistage. Elle a été engagée. Pour cette année, les plus hautes autorités du pays ont demandé que l'on puisse favoriser la vaccination. Eh bien, Madame le ministre s'apprête à saisir tous les délégués régionaux du ministère des Enseignements secondaires pour leur dire que à ce jour, la vaccination est la seule mesure de prévention la plus fiable, telle que cela nous est rapporté par les autorités médicales compétentes. Donc, nous allons encourager la vaccination et encourager les parents à pouvoir s'impliquer dans ce processus. En tant que secrétaire général, vous voyez donc passer devant vous tous les dossiers. Est-ce que vous nous rassurez ce soir qu'il n'existe pas de polémique au sujet de la date de la rentrée scolaire? Il n'y a pas de polémique au sujet de la rentrée scolaire. En général, ce qui se passe, c'est que des propositions sont faites aux plus hautes autorités du pays. Et je peux vous confirmer ce soir que les plus hautes autorités du pays se prononceront dans les prochains jours sur la date de la rentrée scolaire. Autrement dit, il n'y a pas encore de précision. Il y a une indication, mais je voudrais, vous me comprendrez, laisser aux plus hautes autorités de notre pays le soin de fixer pour l'ensemble des Camerounais la date de la rentrée scolaire et ça se fera dans les prochains jours. Alors, pour vous permettre de faire ce qui est facile à votre niveau, vous êtes un enseignant, certes d'université, mais appartenant au corps professoral tout de même. À ce stade, à 2 semaines de la rentrée, quels conseils vous pourriez donner aux élèves et aux enseignants pour un bon démarrage de l'année scolaire? Premier conseil serait de leur demander de pouvoir respecter les mesures barrières de lutte contre le coronavirus telles qu'elles sont édictées par les plus hautes autorités du pays et le chef de l'État, son Excellence Paul Biya en particulier. Je voudrais dire à cet égard que Madame le ministre des Enseignements secondaires a envoyé dans presque tous les établissements du pays des gels hydroalcooliques, des masques qui ont été distribués à la plupart des élèves de nos établissements scolaires. Ce serait de leur demander de respecter donc ces mesures barrières, mais surtout de leur demander de pouvoir se mettre très loin des actes de violence qui ont pu émailler tel ou tel établissement et de se concentrer parce que seule l'école va pouvoir leur permettre de tracer la voie de leur futur. Professeur Fabien Côte, secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu en direct répondre aux questions du 20h30. Je vous remercie. Avant de partir, je vous propose un tour au collège de la retraite qui honore ses nouveaux bacheliers. 154 titulaires du baccalauréat ont reçu leur parchemin de fin d'études ce lundi. C'était lors d'une cérémonie traditionnelle de ce côté-là et qui était donc présentée ou présidée précisément par le principal du collège, le révérend père Clément Nkodomanga. Joël Igor Abanda.
Ce geste témoigne à suffisance de la joie qui anime les 154 nouveaux bacheliers du Collège La Retraite. Un jour mémorable pour ces élèves, mais aussi symbolique pour l'administration de l'établissement scolaire qui a vu arriver ces élèves il y a 7 ans. Il y a 7 ans, Monseigneur l'archevêque me confiait la responsabilité de diriger ce collège. Et c'est ces jeunes que j'ai accueillis tels qu'ils sont, ils se sont présentés à nous. Aujourd'hui, c'est de la fierté. Je peux dire le couronnement de tout cet effort. L'année scolaire 2020-2021, le collège a fait 96,10% de taux de réussite au baccalauréat, toutes séries confondues. Cette cérémonie de graduation est donc un moment de réjouissance pour tous. Les lauréats sont honorés ici, sur le tapis rouge. Je compte continuer mes études ici, dans une université camerounaise. Je compte faire comptabilité. C'est par rapport à ma série déjà, et parce que c'est une filière que j'apprécie énormément. Je compte continuer mes études à l'université catholique, dans la faculté d'économie et gestion. Ces futurs étudiants ont donc encore quelques mois devant eux pour préparer cette nouvelle étape de leur formation académique. Et dans la Mofou et à Famba, près de 140 personnes viennent d'achever une formation en TIC grâce à l'Institut africain d'informatique. Elles ont reçu ce lundi leur parchemin au cours d'une cérémonie à laquelle prenait part Armand Claude Abanda, c'est le représentant résident de l'IAI Cameroun. Michel Renaud Hanja. Face aux exigences qu'impose la modernité, l'initiation au numérique reste une voie incontournable. Les 138 apprenants formés au TIC en Colonguette près d'un fou, grâce à l'Institut africain d'informatique, peuvent désormais relever ces défis. Le message de la première dame, Madame Chantal Biya, est donc en train de passer sur l'ensemble du territoire national. Et nous sommes donc aujourd'hui au-delà de plus de 360 000 jeunes enfants et femmes formés sur l'ensemble du territoire. À ses lauréats de la promotion Fabien Manda à Bénin, Georges Noël Takréo, le représentant du préfet de la Mofou à Famba, a prescrit un usage responsable des TIC. Avec une formation en TIC, un jeune peut déjà trouver un petit emploi quelque part et un problème est résolu. Bientôt, je vais m'installer pour mon propre compte, pour ouvrir un multi-service et peut-être former d'autres personnes. Pour son dévouement en faveur des TIC, Armand Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI, a été fait notable de la communauté Mvoxan. Les responsables en charge des études de la programmation et de la gestion du budget de l'État ont 10 jours pour produire un document de référence. Les travaux à ce sujet étaient ouverts ce lundi à Yaoundé par le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey, prescrit des projections réalistes. Alvin Giselzi. Les contraintes budgétaires actuelles exigent un meilleur cadrage et une adéquation optimale entre l'espace budgétaire disponible et l'éventail des projets d'investissement à réaliser. Le document de prévision des cadres de dépenses de l'État pour la période 2022-2024 se doit donc d'être fiable, pertinent et crédible. Il est donc question de préparer les documents qui retracent d'abord les performances des 3 dernières années et essayent de projeter les performances pour les 3 années suivantes, les enveloppes budgétaires nécessaires pour réaliser ces différentes activités. Les grands axes de cette orientation budgétaire sont identifiés. L'État voudrait porter progressivement le budget d'investissement public à 40% des dotations générales, parce qu'à ce stade, nous sommes encore autour de 30%, dans le but d'allouer plus de ressources aux investissements. Le cadrage budgétaire à moyen terme 2022-2024 fait apparaître un gap de financement de l'ordre de 951 milliards de francs CFA. Pour la couverture en 2022 des projets déjà engagés, les conférences élargies de programmation budgétaire et de performance associées devaient permettre de rattraper les retards du DSCE et dégager les marges budgétaires pour le lancement satisfaisant des nouveaux projets inscrits dans la SND 30. 4 morts et 9 blessés, c'est le bilan provisoire d'un accident survenu hier dimanche dans la localité d'Onkolé-Douma, non loin d'Obala, sur la nationale numéro 4. Selon les sources sécuritaires, c'est un car de transport en commun qui a percuté violemment un camion stationné pour décharger des parpaings. Emmanuel Biconde de CRTV Centre. Selon les habitants du village Nkol-Edouma, localité située non loin d'Obala, l'accident s'est produit aux environs de 17 heures. On a vu ce cas-ci venir à vive allure. Arrivé au niveau du camion, il a alors voulu se rabattre à gauche. Et c'est l'angle ici qui a pris le derrière du camion
en partant, ça a arraché tout le côté passager. L'imprudence du chauffeur du car de couleur rouge serait à l'origine de cet accident. Il déclare qu'il a été ébloui par le soleil. En voulant rabattre le côté soleil, c'est là où il a foncé droit sur le camion. Avec le concours des riverains et les passants, les accidentés ont été directement évacués à l'hôpital d'Aloutiem de Fok, où ils ont aussitôt été pris en charge. Malheureusement, l'on déplore 4 morts. Cet autre accident vient rallonger cette année la liste des morts sur cet axe réputé accidentogène. Il n'y a pas longtemps, une trentaine de personnes perdaient leur vie suite à un accident de circulation sur cette même route. De la prudence sur ces routes. Bientôt, la CAN et le Cameroun ouvrira ses portes à l'Afrique et au reste du monde qu'il promet du reste de bien recevoir. Et cela passe aussi par la santé. Pays tropical, les insectes, moustiques et mouches sont notre quotidien. Mais tout est mis en œuvre par les autorités pour éliminer ces insectes de la compétition. Constat dans les hôtels, hôpitaux et restaurants, Laurence Okalia. S'il y a bien une mouche qui pique le Cameroun, c'est celle de la fièvre de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. À quelques mois du grand rendez-vous sportif, le comité d'organisation de la CAN pulvérise son plan d'action. Donc, la commission hébergement et restauration, sur la base des exigences du cahier de charge de la CAF, identifie un certain nombre d'hôtels, lesquels hôtels subissent les missions d'inspection. Et en dernier ressort, la CAF valide. Ce sont des espaces qui sont tout neufs. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas parce que c'est neuf que la commission ne devra pas veiller à ce que les conditions d'hygiène soient maintenues. Les espaces publics comme les restaurants, les hôpitaux suivent le même protocole que les hôtels désignés par la CAF pour accueillir les étrangers. Les hôtels venaient simplement d'être définitivement validés par la CAF. Il nous appartient d'assurer dès lors un suivi. La fréquence sera déterminée, mais pour que ces hôtels soient maintenus, je l'ai dit, en état de fonctionnalité maximum. Promesse faite, la seule chose qui fera applaudir sera le beau spectacle de la CAN, non pas les insectes. Un plaidoyer pour le respect des institutions de la République, les chefs traditionnels de l'arrondissement de Ngaoundal, dans la région de l'Adamawa, expriment leur indignation face aux atteintes au chef de l'État lors de son récent séjour en Suisse. Ils ont organisé une marche de soutien au président de la République dans cette localité. Le reportage de nos correspondants de CRTV Adamawa. Un air d'indignation contre le bafouement des institutions de l'État à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Mais surtout, un air de déférence à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, garant de l'intégrité de l'institution Cameroun. Les près de 80 chefs traditionnels et chefs de communautés étrangères au canton de Barnangaoundal sont assez éloquents là-dessus. La marche de ce matin, non seulement c'est pour dire un nom catégorique à ceux-là, mais également apporter notre soutien indéfectible à son Excellence M. Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Il est inadmissible que notre représentant, notre père de la nation arrive à l'étranger et les gens s'organisent pour l'indisposer. Se réclamant solidaire du respect de la posture du président de la République en sa qualité de chef traditionnel lui aussi, ses pairs de Ngaoundal y sont formels. Et que le chef de l'État a fait pour les chefs traditionnels, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il a fait de ses corps un corps d'élite. Vous savez que lui-même, c'est un chef traditionnel, vous le savez, Nomgui. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Sous un fond de gratitude à l'endroit du premier chef traditionnel du Cameroun, ses garants de la tradition dans l'arrondissement de Ngaoundal lui ont adressé une motion de soutien. Motion reçue par le sous-préfet Olivier Omaro. L'Afrique a besoin d'un accès large et équitable aux vaccins. En effet, comment pourrions-nous atteindre une immunité collective avec moins de 5% de nos concitoyens actuellement vaccinés?
C'est le temps de la riposte gouvernementale anti-Covid-19 avec ses nouveaux habillages. Les effets secondaires des vaccins ont suscité la psychose et pourtant, ils se manifestent rarement. Le docteur Amabo en donne des précisions dans son entretien avec Évariste Eyenga. Vous êtes Évariste au Centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé. Bonsoir, vous êtes en direct. Bonsoir, c'était la grande crainte, les effets indésirables de la vaccination, mais on n'en voit pas suffisamment. Pourquoi ? Il y a la vaccination, mais très peu de personnes s'en plaignent. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Amabo, il est notre invité ce soir. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Pourquoi il y a de la vaccination, mais très peu se plaignent finalement des effets indésirables ? D'accord, merci Évariste. Avant d'attaquer directement votre question, je tiens à rappeler, hein, et je pense que c'est important, que la vaccination est l'une des interventions de santé publique les plus importantes au monde et elle a permis l'éradication des maladies telles que la variole. Maintenant, les mamans le savent, puisqu'elles ont typiquement la tâche de la vaccination, que lorsqu'on administre un vaccin à un enfant, juste après, il peut être un peu gêné, avoir des petites fièvres. Toutefois, il y a un mécanisme qui est mis en place. Donc, la COVID ou le vaccin contre la COVID n'est pas différent. Il peut engendrer des effets indésirables. Et au Cameroun, il a été mis en place un mécanisme pour pouvoir gérer ces effets indésirables à travers des centres de vaccination sur l'étendue du territoire pour pouvoir non seulement vacciner les personnes, et s'ils ont des effets, pouvoir se rapprocher de ces centres pour qu'une prise en charge soit adéquate. Merci à vous, docteur Amabo. En plus de cela, il y a régulièrement, après le vaccin, un numéro qui vous est communiqué de sorte que vous puissiez contacter les autorités sanitaires pour ne pas que vous soyez sujet à des effets secondaires. Merci Évariste. Et sans autre effet, je passe un coup de fil à MTN Cameroun pour prendre des nouvelles du réseau. De nombreux investissements sont réalisés pour améliorer la qualité de service. L'opérateur vient même de se doter d'un dispositif technologique de pointe qui promet plus d'efficacité. Sadou Mamoudou est à l'autre bout de la ligne. Bienvenue au centre des opérations techniques de MTN Cameroun. L'accès est strictement réglementé. Il faut montrer patte blanche. Une fois à l'intérieur, on est en immersion entre de multiples écrans. Un dispositif ultra moderne pour faire le monitoring en temps réel de la situation sur le terrain. Les multiples écrans affichent des courbes et des graphiques interprétés par des professionnels expérimentés. Ici, d'éventuels dysfonctionnements peuvent être repérés, anticipés et corrigés sans que le client ne s'en aperçoive. Mais il peut arriver que la source du problème soit indépendante de MTN. C'est souvent le cas avec la disponibilité de la fibre optique ou de l'électricité fournie. Dans ces cas également, le dispositif de pointe de l'opérateur leader sait identifier, repérer, localiser et alerter les différentes parties prenantes impliquées. Quand il y a des incidents, il y a une procédure à la base. Autant dès qu'on a identifié rapidement l'incident, l'une des premières choses que nous faisons, c'est déjà informer notre centre d'appel qu'il y a tel ou tel incident actuellement dans le réseau. Et lorsqu'on sait que ça va durer, comme par exemple l'incident que nous avons eu le week-end, là, nous avons le devoir d'informer, non seulement d'informer l'État et le régulateur, mais d'informer les clients. Ces infrastructures sont le fruit de lourds investissements continus depuis plus de 20 ans déjà. Plus de 100 milliards de francs CFA sur les trois dernières années. Des investissements permettant à MTN Cameroun de couvrir une large majorité de la population à travers les 10 régions du pays et surtout d'assurer la satisfaction de millions de clients au quotidien. À propos justement de la qualité de service et de la qualité d'expérience vécue par les utilisateurs sur le terrain, les performances du réseau MTN s'alignent aux principaux indicateurs de performance définis par le cahier des charges attaché à la convention de concession. Ces bonnes performances du réseau MTN sont confirmées par les résultats de tests, études et sondages réalisés par des instituts à la réputation mondiale établie, spécialisés dans la mesure de la qualité du réseau et la satisfaction des clients. Et l'entreprise ne dort pas sur ses lauriers. MTN Cameroun continue d'investir dans l'amélioration de la qualité de son réseau et de l'expérience de ses clients, tout en maintenant un dialogue franc avec les parties prenantes publiques et privées pour améliorer l'environnement de télécommunication au Cameroun.
L'association Now It Is Forever mène une série d'activités à Kribi dans la région du Sud. Il s'agit du nettoyage des plages, de la promotion de la culture locale et même de remise de dons sous forme de denrées alimentaires. Il est question pour les organisateurs de mobiliser les jeunes en faveur des valeurs patriotiques. Plus de précisions à Kribi avec Dieudonné Noira. L'association Now It Is Forever est venue à Kribi pour contribuer à la protection de l'environnement et ceci à travers le nettoyage des plages et aussi pour valoriser la culture africaine, sorte de retour aux sources qui s'est déroulé autour d'un feu de camp sur les berges de l'océan Atlantique. Créé en 2015, c'est une assemblée de jeunes qui se battent pour la même cause, pour la culture, qui se battent pour la jeunesse, pour montrer que la jeunesse n'est pas uniquement dormante, mais que nous avons des initiatives, nous avons des projets, nous avons des neurones que nous pensons et que nous agissons. Et pour plus de générosité envers les nécessiteux, cette association a remis un important don de denrées alimentaires à l'orphelinat des anges de l'abbé Pierre Pondy de Kribi. Je leur dis grandement merci. Je souhaite qu'ils reviennent de temps en temps nous rendre visite. L'association Now It Is Forever était accompagnée dans cette expédition de Miss Cameroun Sud 2020. J'ai parlé aux enfants de l'éducation parce que c'est une valeur sûre qui conduit toujours au succès lorsqu'elle est bien suivie. Une visite de 2 jours autour du concept Stories of My Country. Ces activités vont également se dérouler dans d'autres villes du Cameroun. On ne sort pas de cet environnement puisque c'est un bruit de vagues qui vous berce ce soir dans notre série à la découverte du Cameroun. Rendez-vous aux berges du Mbam, ce fleuve partagé par 2 départements du centre qui en portent d'ailleurs le nom, le Mbam et Kim et le Mbam et Inubu. Le bac est une fascination, tout comme la valse des pirogues et le paysage. Retrouvons sur les berges du Mbam Paul Alain à Bénin, Desserts TV Centre. La traversée du Mbam. Le lieu est appelé Guérima dans la langue Osananga. Le fleuve draine ses eaux tumultueuses et la nature en profite pour se donner en spectacle. Une escale forte d'un Mbam à l'autre. Un gisement de petits métiers où chacun trouve son compte. Une chaloupe 6 places. À raison de 300 francs le passager. Je suis ici depuis, ça fait 13 ans que j'ai ce métier. J'arrive à payer l'école à mes enfants, à avoir de quoi me vestir et tout. Donc, je ne me plains pas. Le Mbam constitue une belle tanière pour une importante population d'hippopotames. Et certains viennent volontiers tutoyer les hommes par moment. Parfois en saison sèche, même, tu peux voir ça dans l'eau, je te dis que c'est une pierre, pourtant, comme ça, c'est le dos d'un hippopotame. En dehors des passagers ordinaires, la traversée du Mbam attire pas mal de touristes qui viennent étancher leur soif de découverte à cet endroit saisissant. Un endroit pittoresque, cette traversée du Mbam, mais dont l'accès demande d'être aménagé pour attirer encore plus de visiteurs. Si cela vous donne quelques envies du Mbam, eh bien, ne vous privez surtout pas. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, le sélectionneur des Lions Indomptables explique ses choix. Antonio Conceição était face à la presse ce lundi au stade d'Olembe ici à Yaoundé. Pour le Portugais, les 28 joueurs présélectionnés ont chacun des atouts qui justifient leur présence sur la liste. Ces joueurs bénéficient donc logiquement de la confiance du technicien. Évariste Yenga. Rien n'est définitif, la porte d'entrée de la tanière est encore ouverte. J'ai jamais fermé la porte de la sélection à personne, la porte continue entrouverte pour tout le monde. À eux de montrer qu'ils ont envie de montrer et avec leur talent qu'ils ont la place ici en sélection. Tony Conceição a clarifié la non-convocation des gardiens de but habituels. Fabrice Ondoa, ça fait presque 2 ans. En 2 ans, il a très peu de matchs compétitifs et au jour d'aujourd'hui, il n'a pas de club. On ne peut pas se permettre, nous, en tant qu'équipe nationale, d'appeler un joueur qui n'a pas de club. Et il ne s'entraîne pas avec un groupe de travail. Le cas André Onana, comme vous le savez tous, il a eu un problème, une suspension, qui est en train de toucher à sa fin. Il va pouvoir reprendre les entraînements collectifs avec son club dans les prochains jours et pouvoir être apte à faire la compétition fin octobre, début novembre. Pour l'instant, le technicien portugais poursuit la mise sur pied d'une équipe type. Le
groupe commence à se former. Moi, en tant que sélectionneur, je dois choisir les meilleurs pour pouvoir représenter le pays. Le Cameroun va livrer 6 rencontres entre les mois de septembre et décembre 2021. Promesse a été faite de bâtir une sélection conquérante à même de mériter le podium de la CAN. Et avant de conclure cet important communiqué de presse en provenance du ministère de la Défense, le ministère de la Défense communique le dimanche 22 août 2021 est apparu sur la blogosphère une vidéo virale d'un reportage amateur présentant une femme décédée et un homme grièvement blessé par balle devant une assistance désemparée. Les auteurs de la mise en ligne de ces images macabres attribuaient l'origine des coups de feu fatals aux éléments des forces de défense et de sécurité, accusés d'avoir aveuglément tiré sur des fidèles en office religieux à l'église presbytérienne de Bali, sise au lieu dit Carrefour Ntanfofouan, arrondissement de Bali, département de la Mézam, région du Nord-Ouest. Il n'en est rien, absolument rien. Le triste événement de Bali fait suite à un échec de cohésion et de coordination entre les éléments d'une même faction criminelle terroriste, désormais clairement identifiée et qui sème la mort dans le secteur de Bali. Il s'agit du groupe Buffalo's Fighter of Bali, aux ordres du prétendu général Grandpa. En effet, les éléments précurseurs des forces de défense et de sécurité en patrouille de routine sur l'axe Batibo-Widikoum, ont stoppé au carrefour Ntanfouan, à hauteur de la place des fêtes de Bali, non loin de l'église presbytérienne qui fait face au palais de justice, dans une manœuvre tactique bien précise qui a surpris les terroristes, lesquels avaient au préalable miné certains points présumés de passage des forces de défense et de sécurité. Au moment du débarquement, les éléments des forces de défense et de sécurité, un engin explosif improvisé, EEI, a été prématurément déclenché. La déflagration a créé la débandade au sein des fidèles et des voisins de l'église. Les terroristes paniqués se sont réfugiés en plusieurs groupes dans l'église et les bâtiments de la place, avant d'ouvrir un feu nourri et confus depuis leurs différents refuges vers l'élément précurseur de la patrouille. Il importe ici de préciser qu'aucune riposte des forces de défense et de sécurité n'a été déclenchée, les éclaireurs s'étant tactiquement abrités dans l'attente des renforts. Au cours de la fusillade, une fidèle a été mortellement atteinte, le célébrant grièvement blessé et un autre fidèle légèrement touché au pied. Ces derniers ont été transportés d'urgence à l'hôpital de district de Bali pour des soins appropriés. Les premières constatations balistiques établissent avec certitude que toutes les victimes ont été touchées par des plombs et chevrotines, munitions artisanales produites clandestinement par les terroristes. De même, les fouilles engagées ont permis la neutralisation sur site de plusieurs EEI, dont un qui avait servi à miner l'entrée principale de l'atelier situé en plein carrefour et faisant face à l'église, à l'intérieur duquel a été mis à jour un dispositif sophistiqué de préparation d'EEI, de calibrage de munitions et de canons artisanaux. Quelques heures plus tard, la propagande sécessionniste appuyée par certains médias et organisations non gouvernementales nationales et internationales, de lignes éditoriales et d'obédience bien connues, font chorus d'une prétendue attaque des forces de défense et de sécurité contre des fidèles dans un lieu de culte à Bali, fadaise et niérie que tout cela. Ce nouvel épisode de diabolisation de nos forces de défense et de sécurité semble clairement s'inscrire dans une logique visant à les démoraliser, voire les démobiliser dans la conduite de leur mission de défense de l'intégrité territoriale du pays et de protection des personnes et de leurs biens. C'est un communiqué signé du capitaine de vaisseau
Aton Fangemo Cyril, le chef de la division de la communication au ministère de la Défense. Ainsi va le Cameroun ce lundi. Retrouvez juste après ce journal votre magazine Inside the Presidency. Achounienti revient en profondeur sur le sommet extraordinaire de la CEMAC, conduit la semaine dernière en visioconférence par le chef de l'État, Paul Biya. Bonne suite des programmes sur votre chaîne, la CIR TV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Dans le cadre de la riposte contre le COVID-19 en particulier, nous devons consolider les acquis déjà engrangés et renforcer la mobilisation en faveur des campagnes de vaccination en cours dans nos pays. De son gala de charité, l'association